Ainsi, pour faire les choses correctement, rien ne sait d'utiliser le pouvoir et son mental pour dompter nos souffrances émotionnelles. Il faut les régulariser pour tendre vers l'apaisement et la sagesse. Se concentrer sur nos émotions et nos corps qui sont une véritable source d'informations utiles. Alors que l'intellect est un véritable outil aussi primitif soit-il encore, qui permet d'élairer la conscience dans bien des domaines. Il serait également manichéen de considérer que ceux qui ne savent pas n'ont pas de souffrance. La souffrance est une information qui doit être prise en compte et traitée, l'éviter est une porte ouverte à la répétition de celle-ci dans notre vie, car tant qu'une chose n'est pas résolue dans notre esprit, l'inconscient se charge de vous la remettre dans notre vie pour que vous en occupiez. En résumé, moins de mental, une éducation sur l'importance des émotions, signification, traitement et gestion et leurs impacts physiologiques.